Si demain quelqu'un vous offrait la chance de concrétiser tous vos rêves, vous feriez quoi honnêtement? Sur une échelle graduée de 1 à 10, 10 étant la valeur la plus forte, vous placeriez votre étiqueté morale à quel niveau? 10. Définissez votre niveau d'engagement à atteindre un objectif. 10. Pour finir, définissez la place que tient votre famille dans votre vie. 'Interdis de toucher! Tu m'avais promis que quoi qu'il arrive, jamais on m'abandonnerait! Que cette entreprise resterait une entreprise familiale honnête! Et qu'un jour notre fils en reprendrait les rênes! Tout ça c'est avant qu'on mette la clé sous la porte! Regarde autour de toi! On n'a plus rien! C'est ça que tu veux laisser à notre fils? Ce que je veux, c'est juste qu'on garde un sens moral dans cette famille! Mais la moralité, c'est bon pour les faibles et pour les pauvres! Moi j'en ai marre d'être pauvre! 10. Il vous suffit simplement de dater et de signer cet accord de confidentialité qui vous lie à mon client. Et ensuite, l'affaire sera conclue. Vous aurez tout le financement qu'il vous faut. On trouvera une autre solution. Ce qui compte, c'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison. C'est de prendre une décision. Si tu signes ces papiers, c'est pas ton âme que tu t'apprêtes à vendre, mais celle de ton fils. Dis-moi quel exemple tu comptes lui donner. Tu peux pas accepter de fermer les yeux en échange de son fric, c'est pas toi ça, Jimmy. Cet argent, c'est la seule chance qu'on ait de renflouer nos caisses et d'offrir un avenir décent à notre enfant. Et toi, tu veux la gâcher? Cet homme a violé une femme, il l'a massacrée, toi t'as vu tout ça? J'enfoncerai à nouveau mes crocs dans la gorge de cette putain si c'était à refaire. Parce que seul compte notre propre satisfaction. Notre ego. Et c'est cette même raison qui fait que vous êtes assis là devant moi, en sachant pertinemment ce que j'ai fait. On n'est que des hommes ordinaires. L'ordre moral n'est qu'une illusion. Chacun veut sa place sur le trône. Chacun veut être son propre dieu. On est régi par une seule chose, la cupidité. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est le business qui veut ça. Vous feriez quoi honnêtement, si quelqu'un vous offrait la chance de concrétiser tous vos rêves? Vous signeriez ou pas ?